Chers compagnons de lutte, chers frères et sœurs, c'est avec un grand plaisir qu'en ce début du mois de décembre, j'ai l'honneur de m'adresser à vous. C'est grâce à Dieu le Très-Haut qui nous renouvelle sans cesse le souffle de vie. Nous nous portons bien et nous pensons que vous l'êtes aussi. En tout cas, nous sommes conscients des efforts que vous déployez pour la résistance et de votre soutien multiforme pour la cause. Partout où vous êtes, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, je vous en exprime toute ma gratitude. En ce qui nous concerne, je vous informe que certains de nos frères ont été sortis des prisons par le gouvernement dans le but de nous contacter pour restaurer la paix dans le département du Pôle. Par leur truchement, donc, nous avons pu soumettre au gouvernement quelques-unes de nos préoccupations, dont la signature d'un accord de cessez-le-feu, l'acceptation du règlement politique de la situation, qui est une situation politique, la libération de tous les détenus politiques, le retrait des troupes dans les zones où il n'y avait pas leur présence avant la guerre, la mise en place d'un comité ad hoc qui va suivre l'exécution des points retenus. Une chose est vraie, depuis là, rien de concret n'est encore fait. Nous attendons. Par ailleurs, c'est avec amertume que nous constatons que le gouvernement a mis en place des chemins parallèles en voulant sortir des forêts les ex-combattants à travers le jeu des couloirs. Nous dénonçons avec fermeté ces démarches que nous jugeons contre-productives et dangereuses. Nous déclinons ainsi notre responsabilité devant tous les risques d'opposition que peuvent rencontrer les équipes envoyées sur le terrain par le gouvernement pour exécuter cette basse besogne. Si le gouvernement veut d'une paix réelle, qu'il s'affiche clairement et sincèrement, car l'on ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire à la fois. Chers frères et sœurs, je réitère que notre combat est juste et vrai et noble. Nous combattons pour la justice, la paix, l'alternance démocratique et la liberté. Continuons de nous faire confiance. Soutenons-nous les uns les autres. Privilégions l'intérêt général. Le Congo, la victoire est proche. Que Dieu le Très-Haut nous garde. Nous publierons ces merveilles et nous pourrons ensemble accomplir des grandes et bonnes choses pour notre cher beau pays, le Congo. Je vous remercie.